Good morgen, allez, dans les sutras aujourd'hui, le Nishmat, Machlouf Micha ben Masoud, Anachman Yosef ben Achum, Avram Chayin Orba ben Fortuna Mazal Dov, ben Yudite, Nissan ben Mafred, si vous souhaitez vous dédier une prochaine étude de Mishnah. Contactez les 5 minutes éternelles, nous étudions Masechet Amid, Perek He, Mishnah Aleph, Amar Lahem Amemune, Barechou, Bracha Achat, Hen, Vehen Berechou, Karou Aseret Advarim, Shema, Vayem Shamoa, Vayomer, Berechou et Aam, Shalosh, Brachot, Emet Veyatsiv, Va'avoda, ou Birkat Kohanim, ou Beshabbat Mosivin Bracha Achat, le Mishmar Hayotse. Dans le Perek, on fait un petit peu d'ordre, d'abord on commence le Perek, comme ça va nous aider. Perek Bet, on a tiré au sort qui allait faire le Korban Tamid, avec tous ceux qui devaient prendre les morceaux, les parts de viande, allaient faire monter sur le Misbéach, et aussi l'ouverture du Echal, avec qui allait commencer à la préparation du Misbéach Haktoret et la Menorah. Dans le Perek, donc fin de Perek Gimel, on a fini d'ouvrir les portes du Echal et de préparer le Misbéach et la Menorah en enlevant tous les restes de cendres. Perek Dalet, on a expliqué maintenant le Korban Atamid proprement dit, comment est-ce qu'on allait ensuite le faire la Shrita, asperger son sang, et ensuite le disséquer pour faire monter les membres selon tous les Kohanim qui ont gagné au tirage au sort. Ouais, toute la série de Kohanim, à partir du moment où on désignait celui qui devait faire la Shrita, alors on désignait aussi celui qui allait asperger le sang, et celui qui allait ensuite, et tous les Kohanim qui ensuite allaient apporter les parts du Korban Tamid, les faire monter sur le Misbéach. On était arrivé dans la Mishnah précédente avec 9 personnes désignées pour faire monter quelque chose sur le Misbéach, entre ceux qui avaient des membres de l'animal, ceux qui avaient les Chavitim du Kohen Gadol, la Mincha spéciale du Kohen Gadol, ceux qui avaient l'oblation de vin, et voilà. D'accord? Donc maintenant, une fois qu'on avait précisé dans la dernière Mishnah, elle était très longue, mais en tout cas on avait expliqué à la fin, que les Kohanim montaient et déposaient les membres, et tout ce qu'ils devaient ensuite apporter, ils le posaient par terre sur la rampe du Beth Amikdash, à la mi-hauteur, et après ils redescendaient, et ils partaient tous dans la Leshkat Tagazit, parce qu'il fallait lire le Kriyat Shema. Il fallait commencer à prier un petit peu. Qu'est-ce qu'il fallait prier précisément à ce moment-là? Alors là, notre Perek commence en nous racontant comment ça se passait. Amar Lahem Amemune, le responsable délégué des Kohanim, le responsable des Kohanim, commença à leur dire « Barechou Beracha Achat » Prononcez une des brachot, c'est-à-dire une des brachot du Kriyat Shema. Vous savez que le Kriyat Shema, on lit deux brachot avant, deux brachot après, ou une bracha après, ça dépend le matin ou le soir. Pour le matin, ça met une bracha après. On commence avec Yotzer Or. Après, on continue avec Ahavat Olam, ou Ahavat Rabba pour les Ashkenazes. Et il y a les deux versions dans la Gemara, Ahavat Olam et Ahavat Rabba. C'est pour ça que les Ashkenazim disent une fois Ahavat Rabba, une fois Ahavat Olam. Chez les Sfaradim, ça n'existe pas du tout Ahavat Rabba, même si c'est rapporté dans la Gemara. Ça, c'est entre parenthèses. Donc, il y a deux brachot et une bracha après qui s'appelle la bracha de Gaal Israël. Comme ça, on fait trois brachot le matin et quatre brachot le soir, parce qu'en plus de ça, en plus de Gaal Israël, on continue, Yotzer Or et Ma'ariv Aravim, c'est aussi le même principe, Ahavat Olam, après on fait Gaal Israël, après on rajoute Ashkivenu. 7 brachot en tout, comme les Sheva brachot, Sheva Bayom Hilal Ticha. Je reviens ici sur la Mishnah. Parmi toutes ces brachot-là, eh ben, ils en disent une seule par rapport au Kriyat Shema qu'ils vont lire, qui est la bracha de Ahava Rabba ou Ahavat Olam. D'accord, le partenaire est pour Ahava Rabba, même si elle était Sfarad, c'est intéressant. Et en tout cas, on dit Ahavat Olam ou Ahavat Rabba est prononcé, et Ven Berechou. Pourquoi juste une seule bracha? Attention, c'est important, il faut le préciser tout de suite. En fait, c'est pas le moment de faire la tefila. Ils allaient faire la tefila plus tard. Mais on a un truc, c'est que dès qu'on a commencé à faire un korban, il faut prier. Donc, tu as commencé le korban, t'arrêtes en plein milieu, tu vas et tu pries. Pour qu'Hachem, il va agréer le korban qu'on a déjà. On a déjà aspergé le sang, il fallait déjà commencer à prier. Après, tout à la fin, une fois qu'ils vont finir, ils vont faire le Shmona Esrei, le prier l'Amida comme tout le monde. Mais pour le moment, il fallait dire juste quelques brachot. Or, on était tôt le matin, puisqu'on a commencé la tourmata des chaînes depuis Alot HaShachar, ou même un petit peu avant. Après, on a commencé toute la Vodot, on a fait la Shrita du Torabin, quand c'était Alot HaShachar. Après, donc, c'est le moment de lire le Kriyat Shema. Il fait encore noir dehors. Il commence à faire un peu jour, de plus en plus, le jour se lève. Donc maintenant, on allait commencer à faire une petite bracha. Il fallait lire le Kriyat Shema. Pour lire le Kriyat Shema, d'abord, on peut faire une bracha auparavant. Une bracha, alors on a choisi de faire Ahavat Olam, où là-bas, on parle de l'Ahavat Rabba. On parle de l'amour d'Hachem qui nous a donné la Torah. Ok?
Et comme ça, c'est un peu aussi une bracha avant le Kriyat Shema, c'est-à-dire avant chaque mitzvah que l'on fait, on fait aussi une bracha auparavant. On va mettre les tefillin, Asher qui déchaîne nos avesanou, l'anir tefillin. On va mettre le talit, une bracha avant. Quelle est la bracha du Shema de la Mitzvah de lire le Kriyat Shema? C'est justement un varaba. Donc du coup, on la disait avant. Et Amar Lan Maimouné, donc, Berichou Brachat, comment ça dit une bracha? Ven Berichou. Et eux disaient, donc ils disaient, la Gemara de Brachat, elle explique, la bracha de Avaraba. Karoua ensuite, une fois qu'ils ont fini de faire la première bracha, Karoua Aseret Advarim, ils lisaient les Aseret Adibrot. Après Shema, la paracha du Shema, Vayayim Shamoa, la paracha de Vayayim Shamoa, et Vayomer, et la bracha de Vayomer. Et le Kriyat, et la Vayomer, donc comme notre Kriyat Shema, avec en plus de ça les Aseret Adibrot auparavant. Pourquoi lire les Aseret Adibrot auparavant? Ils expliquent ici, parce que c'est le Ikara Torah. Ça veut dire que toute la Torah, elle, c'est en fait les détails, c'est les, comment dire, ouais, c'est les détails en fait des 10 règles des Aseret Adibrot. Toute la Torah, elle est incluse. Dans les Géonim, il y a des Svarim entiers qui expliquent comment, à travers chacune des 10 brotes, alors ça va se ramifier en plusieurs sortes d'interdits, en fait, d'interdits ou misvot, et du coup, on va se retrouver avec toutes les 613 misvot qui vont être incluses dans les Aseret HaDibrot. Donc, du coup, on lisait les Aseret HaDibrot. Mieux que ça, la Gemara rapporte qu'en théorie, il aurait fallu lire les Aseret HaDibrot tous les jours, sauf que on a craint que certaines personnes vont commencer à nous dire: Ah, on lit les Aseret HaDibrot parce que ça, c'était donné par Hachem au Sinaï. Donc tout le reste de la Torah, ça n'a pas été donné, Chas v'Shalom, ça n'a pas été donné par Hachem au Sinaï. Pour ne pas arriver à de telles hérésies, et alors Chachamim ont instauré qu'on ne lit pas les Aseret HaDibrot, tout ça te rapporte, de là, à partir du Moshalmi, qu'en fait, dans le texte du Kriyat Shema, il y a 10 allusions aux Aseret HaDibrot. C'est dans certains sidourim, on les en fait entrer. Enfin, on arrête de s'étaler un petit peu, et puis on se concentre plus. Donc ils doivent lire le Kriyat Shema. Avant de lire le Kriyat Shema, il faut d'abord faire la bracha de Avar Abba. Après, ils lisent la Aseret HaDibrot, et puis après, ils vont lire le Shema avec les trois parachutes du Shema. Shema, Vayem, Shamoa, Vayomer. Ok? Ensuite, Berechu et Ha'am, Shalosh Brachot. Je traduis pour le moment. Ils ont béni. Alors, Et Ha'am, c'est problématique. Parce qu'au sens simple, il y a écrit, ils ont béni le peuple. En réalité, ce n'est pas qu'ils bénissaient le peuple, mais c'est qu'ils bénissaient avec le peuple. C'est-à-dire tous ensemble, une fois qu'ils avaient. En même temps que le peuple, que tous les autres bénis Israël qui étaient en ce moment dans les Mishkat et Gazit, tous ensemble, allaient lire les trois brachot. Quelles sont les trois brachot? Allez dire trois brachot. Quelles sont les trois brachot? Emet Veyatsiv, Va'avoda, ou Birkat Kohanim. Ouais, et après on va expliquer la suite, qu'est-ce qui se passe. Donc ils vont dire trois brachot, qui sont la bracha de Emet Veyatsiv. T'as fini Kriyat Shema. Alors on continue, Hachem, alors Kriyat Emet. Veyatsiv, d'accord, donc c'est la bracha de Emet Veyatsiv. Ensuite, une fois qu'ils ont fini, Baruchat Hachem Gaal Israël, eh bien, on ne fait pas la Amida au Bet Amigdash tout de suite. On va juste faire la bracha de Retzé, ce qu'on appelle la Avoda. Pourquoi? Le texte de Retzé, il a été pris, en fait, ce qu'on prie nous aujourd'hui, on prie qu'une fois qu'on a fini la Amida, qui était tout ce qu'on a dit auparavant, alors on demande à Hachem d'agréer la Amida qu'on vient de faire. Au Beth Amikdash, on faisait une avoda des korbanot, et on demandait, on prie à Hachem d'agréer le korban. Donc quand on finissait la bracha, on ne disait pas, bon, on prie à Hachem à machazir shrina tole tzion. Il y avait déjà la shrina qui était à Tzion. Mais qui était la shrina, on lui dit, on finissait quoi? C'est apporté dans le Tosfot Yom Tov, il rapporte, c'est Rashi dans Brachot qui l'explique. Baruch HaMekabel avodat amo Yisrael beratzon. Béni sois-tu Hachem, qui reçoit, qui agrée, qui accepte le service de son peuple d'Israël, Beratzon, avec désir, avec volonté. D'accord? Ou encore, Shotra levadecha beiran avod. Donc, ça, c'était pour la bracha de Avoda. Comme ce que nous. À la fin de l'Amida, comment on conclut l'Amida? On dirait Tse, Modim et Sim Shalom. Alors là, à ce niveau-là, on faisait Retzé. Et on faisait ce qu'a écrit Birkat Kohanim. Birkat Kohanim, alors là, il faut préciser, c'est pas la Birkat Kohanim, encore où les Kohanim ils vont lever les mains et ils vont faire le, ils vont le lever les mains, ils vont faire la bracha au peuple, ils vont bracha. C'est pas maintenant. Ça, on le fera plus tard. On le fera quand on aura fini l'actorette. Pour le moment, on n'a pas encore fait l'actorette.
Pour le moment, on a juste préparé le Mizbéach Hazav et on a fait la Shrita du Korban Tamid. On n'a même pas fait monter encore les membres sur le Mizbéach totalement. On s'est juste arrêté au milieu de la rampe. Donc, pour le moment, on va juste faire une bracha à Hachem qui est en fait la Elokeinu Veloke Avotenu Baruchenu Baruchra. Quand il n'y a pas de Kohen pour faire le Nesiat Kapaim, il y a un texte qu'on demande à Hachem tout simplement de nous bénir. Et ça, c'est la même bracha de Sim Shalom. On demande à Hachem en fait de mettre la paix entre nous, en lui demandant, comme ce que c'est écrit dans la Torah, Yavrechecha Hashem Yishmerecha, qui est la Birkat Kohanim, à ce niveau-là, c'était ça ce qu'on disait. Après, on continue le Sim Shalom, Baruchat Hashem, Averech Tamo Yisrael Bashalom, et on s'arrêtait là pour le moment, au Bet Amigdash. Plus tard, on allait faire la Tfila, qu'on allait complètement finir la Avoda. D'accord? Et à part ça, maintenant, il y a la Mishnah continue en me disant, Obe Shabbat, lorsque c'était le Shabbat, alors, Mosifim Bracha Achat le Mishmar Yotze. On va rajouter une bracha pour la garde des Kohanim qui va sortir. On va expliquer dans quelques secondes comment ça se passait le changement de garde au Bet HaMikdash, mais d'abord on va s'attaquer à un autre problème. Le Shabbat est rajouté en plus à une autre bracha, mais en fait qui n'était pas une bracha entière. C'était un texte qui rajoutait où les Kohanim qui sortaient, il y avait un changement de garde, le Shabbat qui se passait, et les Kohanim qui sortaient priaient pour les Kohanim qui vont rentrer au Bet HaMikdash, qu'Hachem va, la bracha est rapportée dans le texte du Bartanura. Mishishiken et Shemo Babaitaze, ou Yashkin Venechem Ava Verva Shalom Verut. Celui qui fait résider sa, son nom, sa shrina, dans cette maison, le Bet HaMikdash, eh bien, qu'il fasse résider aussi la paix, et l'amour, et la fraternité, et la paix, donc, et la. Ouais, entre vous. Et l'amitié entre vous tous. Les Kohanim qui vont sortir, ils vont dire cette bracha. Il y a un problème technique que Tosot soulève dans Brachot, que cette bracha, c'est pas une bracha, c'est juste on a dit une bracha, on a fait un souhait pour son voisin. Non. Alors le Tiferet Israël répond que non. Dans la bracha de Sim Shalom, on faisait rentrer ce texte-là, avant de signer Baruchat Hashem, Averchatam Israël, Bashalom Amen. Alors, il conclurait le Kohanim, rajoutait en plus de ça, ou Mie Shechekain Hashemo, avant de conclure. Vetov Benechal, Vechanul, Vechkal, Mechaisel, Berov, Voz, Veshalom. Mie, on rajoutait à ce moment-là, Mie Shechekain Hashemo, Bavitazo, Yvrech. Et très makohanim. Comme ça, il propose le Zivrat Israël pour expliquer comment ça, l'ordre des brachot. Donc, c'était pas une bracha indépendante, mais c'était inclus dans la même bracha du Birkat Kohanim. Comment se passait le changement de garde au Bet HaMikdash? Alors, le Shabbat, vous savez qu'il y avait 24 familles qui se relayaient, et pendant les fêtes, tout le monde venait travailler en même temps, et selon un ordre bien précis, on a déjà eu l'occasion de l'évoquer plusieurs fois. Il y a le Shabbat, c'était le changement de garde. Le matin, c'était le Mishmar Ayotse, c'était la garde qui était sur le point de quitter, qui faisait la Avoda. Et puis, il passait la Avoda au moment d'apporter le Korban Tamid Shel Ben Arbaim, le Korban Tamid de l'après-midi du Bet HaMikdash. Cette fois-ci, c'était le Mishmar Anichnas. C'était la garde qui allait entrer, qui allait faire le Korban à ce moment-là. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'Hatzlacha comme tout cela.